Allô, allô! Alors ce matin, on s'est levé, Annabelle est partie pour l'école, j'ai parti un nouveau lave-vaisselle, on a déjeuné, on exclut la personne qui parle, j'ai pas encore déjeuné moi, mais je vais déjeuner. Puis là, Florence est en train de s'habiller, puis je viens de mettre Étienne dans son banc, c'est pour ça qu'il est pas content. Oh. Mais j'ai des commissions à aller faire ce matin, au fond je dois aller poster des choses. Donc, je dois me rendre chez Post Canada pour aller faire ça. Puis là, c'est ça, je vais habiller les enfants pour aller dehors. Oh, ils détestent tellement ça, la voiture. Là. Mais bon, fait que c'est ça, je vais habiller les enfants, puis je vous reparle tantôt. Mais j'ai trois colis qui partent aujourd'hui, plus une lettre. Deux colis pour la France, pour des abonnés. Donc, deux chanceuses que j'aime vraiment beaucoup, qui me regarde depuis longtemps et qui commente toujours. Fait que, voilà. Tu peux le mettre toi aussi. C'est écrit 4 ans, tu peux le mettre toi aussi. 4 ans! Fait que je vous reparle tantôt! Bon alors, on vient de finir de manger. J'ai fait du poulet comme à la méditerranéenne, en tout cas. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais... C'est juste des poitrines de poulet avec une petite sauce dessus. Puis j'ai fait des patates douces au four. Puis là, d'ailleurs, il y en a encore une qui est en train de cuire. Mais ça l'a comme pas cuit. C'était pas prêt tout en même temps. Fait que j'étais un petit peu déçue. Mais bon. Fait que c'est ça, je fais juste mettre ma patate au four. Puis quand tu vois le sucre couler, genre... Quand le sucre devient liquide et que tu le vois... s'écouler de la patate, c'est parce que normalement c'est prêt. Pas juste un petit pot là, mais comme vraiment une coulisse là. Fait que c'est ça. Là c'est encore au four. Puis je vais serrer mes choses, mon restant de poulet. Puis là je suis en train de remplir mes trucs pour faire ma demande de passeport. Parce que mon passeport il est expiré depuis un très long moment. Et on aimerait ça pouvoir aller aux États puis ces affaires là. On aimerait ça pouvoir voyager un petit peu. Fait que sortir de notre pays. Mais c'est ça. Fait que je vais remplir ça. Je vais remplir peut-être aussi ceux des enfants. Je sais pas encore si je vais leur faire. C'est sûr que si on va juste aux États, on peut utiliser juste le certificat de connaissance. Là, mais je suis encore en décision parce que j'ai pris les papiers. Puis eux autres, c'est pas si pire. Là. Eux, ça coûte 57$. Puis pour un adulte, pour 10 ans, ça coûte 160. Ce qui est pas si mal. Mais c'est ça. Fait que je suis en train de faire un petit peu de paperasse là-dedans. Là, puis c'est pas mal ça. Cet après-midi, ça va être vraiment relax, je crois. Je viens de mettre aussi mon vlog de ce week-end en ligne. Fait que ça, c'est fait. Donc voilà. Je crois que j'ai pas grand-chose à vous dire pour le moment. Fait qu'on se reparle plus tard. À tantôt! Hello, hello! Alors, il est presque 9h. Salut! Je m'en vais porter Florence à la prématernelle. Fait que je suis en train d'habiller tout le monde pour qu'on y aille. Annabelle est partie à l'école. Et pendant que Florence va être partie, je crois que je vais aller faire mon épicerie. Wow! Mon épicerie. Juste chercher des fruits et légumes, je pense. Fait que c'est ça. Ouais, je pense que ça va être ça. Voilà! Donc, je vous reparlerai probablement pas avant d'être revenue, comme de faire mon épicerie, là. Puis il va être probablement quasiment le temps que j'aille chercher Florence après. Donc, c'est pas mal ça pour le moment. J'ai tellement peur de vous ennuyer avec mes vlogs, là. Puis en passant, je m'excuse, mais avant hier... Je crois, avant-hier, en tout cas. Quand je vous ai montré le petit snack que j'aimais me faire avec le yogourt, là, ben c'était du yogourt à vanille, puis j'ai dit du yogourt nature. Je suis vraiment désolée, tiens Charlotte, c'est dit. Mais c'est ça. Ça arrive souvent que je dis des niaiseries, hein, puis que, tu sais, moi je cherche tout le temps mes mots, hein, fait que, inquiétez-vous pas, là, si jamais je dis des niaiseries puis que c'est pas ça. Fait que c'est ça, si jamais je dis des niaiseries, je suis vraiment désolée, mais je passerai pas ma vie à m'excuser pour des affaires que j'ai dites qui étaient pas exactement ça ou que les mots étaient pas exacts, là. Parce que je suis du genre à être maladroite dans la vie, non seulement avec ma gesticulation,
mais aussi avec ce que je dis parce que justement, je suis tout le temps en train de chercher mes mots. Fait que c'est ça, je suis vraiment désolée, je m'en excuse d'être une maladroite de la vie, mais c'est comme ça. Alors, vous m'aimez ou vous ne m'aimez pas. Moi, je crois que ça fait mon charme un peu quand même, malgré tout. Hein. Même si je me sens blonde quelquefois, mais que voulez-vous, blonde, hein? Inquiétez-vous pas, là, je vise aucune blonde. Vous savez, c'est juste le stéréotype de blonde. Bref, je m'enfonce. Fait que je vous dis à tantôt tout le monde. Bon, donc, je suis revenue de l'épicerie full vite. J'ai mis les affaires tout dans le frigo, puis je suis repartie parce qu'il fallait que j'aille chercher Florence. Mais je voulais pas que ça reste dans l'auto parce qu'il était quand même assez chaud, puis il me restait un bon 20 minutes à attendre aussi. Fait que j'avais déjà serré une coupe d'affaires là, mais dans le fond c'est comme des œufs, du yogourt Activia aux fraises avec, c'est ça. Après ça j'ai du yogourt grec, oui oui, c'est du grec, c'est pas du nature, c'est pas du vanille. J'ai voulu essayer ça, c'est comme ça, thé vert et lime. Après ça, j'ai pris du beurre, j'ai pris du bacon. J'ai pris du fromage mozzarella Petit Québec, comme ça-ci, parce que c'est mon préf. Ensuite, j'ai essayé des brioches à la cannelle, comme ça. Pillsbury, puis j'ai pris ça, là, des chaussons aux pommes de même. Que je voulais sucrer, ça a l'air. Attends un petit peu, mon garçon, regarde. Regarde, c'est ici, là. Après ça, j'ai pris des biscuits aux figues. C'est super bon pour la santé, full protéines. Voilà. Ensuite, j'ai pris des tangerines, tangelino, je sais pas quoi, là, molino, quelque chose de même. Moi qui est bonne avec les noms. Non, ça c'est des mandarines, des clémentines, ceux-là, ou des mandarines? Des clémentines. Ça, c'est aussi des mandarines. Après ça... Ok, Florence. Après ça, j'ai pris des bananes bio. J'ai pris des Granny Smith, des pommes. Après ça, j'ai pris ça ici. C'est des petits mini baguettes au bleuet. J'ai pris deux cannes de bouillon de légumes. J'ai pris une sauce comme ça, fines herbes. J'ai pris du bouillon de poulet. C'est du chocolat. Faut aller cadeau. Voilà. Après ça, j'ai pris ça pour dépanner. Ce sera pas long, Florence. Deux sidekicks, un nouille miel yaye et l'autre beurre et fines herbes. Pour les soirs que je vais avoir plus de misère d'arriver dans mon temps, ça va être vraiment un bon dépanneur. Fait que c'est ça. À part de ça, j'ai pris ici du pain Country Harvest. Celui-là, c'est tournesol et orge. J'ai pris des céréales sans raisin, celui-là de voyons, PC, comme c'est quoi? President's Choice, là. Choix du président, puis ils sont vraiment bonnes. Puis j'ai pris ces biscuits-là. Mais oui, j'ai fait ça. Je vous dis, je cuisine vraiment moins maison ces temps-ci, là. C'est. Ouais, c'est ça. Fait que je cuisine vraiment moins maison. C'est... Vous comprendrez pourquoi, hein. Mais c'est ça, j'ai comme pas une minute à moi. Fait que. Le plus vite, le mieux. C'est plate, là, mais c'est ça. Donc voilà pour ma petite épicerie, je pense que j'ai fait le tour, vraiment. Donc là, il est rendu midi, alors je vais m'enligner sur le dîner, je sais absolument pas qu'est-ce que je vais faire, mais je vais regarder ça. Fait qu'on s'en reparle plus tard, bye! Bon, alors je suis en train de finir de faire le dîner au fond, j'ai fait. Ok, assis-toi comme il faut, fais attention à pas t'étouffer. J'ai fait du spaghetti avec du fromage mozzarella dessus, puis... J'ai coupé. Assez comme il faut. Toi pis ta doudou là. Hein? J'ai coupé du petit cocon pour les enfants. Puis pour moi, mais je suis pas encore rendue à manger. Puis là, je suis en train de faire du pain à l'ail. Fait que c'est presque prêt. Je vais m'asseoir après ça. Puis je me suis fait un eau au citron. Et je mets pas du genre de concentré de citron, là. Mais je mets plus les tranches de citron. Je sais, je suis rendue crackpot, là, je suis folle, mais. Je trouve que ça goûte comme l'espèce de cire puis les pesticides qu'il y a sur les citrons. Je trouve que ça goûte dans mon eau. J'ai vraiment le goût comme exagéré, moi. Fait que c'est ça. Je trippe plus à boire de l'eau avec les tranches directement dedans. Fait que je fais juste comme le squeezer. Squeezer
mon citron, bon, voilà. Je squeeze mon citron, puis j'enlève les pépins, puis c'est ça. Fait qu'on va dîner,